Et non, c'est pas Pimousse, mais bienvenue dans ma life. Aujourd'hui, c'est moi que vous allez suivre, les gars. Donc là, je viens de me taper 3 heures de PDF avec Pimousse parce que oui, cette année, on va essayer de vous sortir les meilleurs programmes qui se trouvent sur YouTube. Donc on est sur quelque chose de gros, les gars. Mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. L'objectif du jour, vous l'avez vu dans le titre, c'est de faire mon PR au soulevé de terre. Je vous l'ai jamais présenté en vidéo. La seule barre que j'ai fait, c'est 200 kilos. Et j'espère faire mieux aujourd'hui. Battre Pimousse, c'est peut-être possible sur cet exercice parce que, au vu de ma morphologie, je suis plus apte à faire des plus grosses perfs que Pimousse. Mais vu qu'il est il est meilleur que moi, donc on va essayer de voir ça. Il est derrière la caméra, ça va, il a rien dit, donc il approuve. On va partir à la salle et on va essayer de battre Pimousse, hein. On va essayer. Bon les gars, on est bien arrivé à la salle. On va faire la partie, on va faire la suite de la vidéo dans la voiture parce que là il commence à pleuvoir maintenant dans le nord. Les beaux jours c'est fini. Ça a duré une semaine. J'étais sur la route là, et je pensais au PR que j'allais devoir faire là. Et les gars, je suis stressé hein, vraiment. Je sais pas si. Donc là il y a 200 kilos à mettre minimum sur la barre. Soulever de terre, faut savoir que c'est un exercice qui me fait très peur. Je l'avais arrêté justement parce que je m'étais blessé au bas du dos. Faites très attention sur cet exercice les gars. Là ça fait plusieurs semaines que je retravaille la technique, que je remonte progressivement mes charges pour pouvoir justement vous sortir cette vidéo. Donc j'étais sur le 5-3-1. C'est aujourd'hui qu'on va voir s'il fonctionne. Bon, pour l'excuser un peu, il n'est pas terminé. Il me restait encore aller un mois et demi à faire dessus. Mais comme j'ai pour objectif de sécher parce qu'on doit faire les photos pour les PDF là. Les PDF c'est les programmes hein, qui vont sortir. Je vais devoir faire cette vidéo aujourd'hui, même s'il m'aurait fallu encore quelques semaines pour vraiment exploser le record de Pimousse, donc il a 230 hein, les gars. Moi, ma seule barre que j'ai fait, je le répète, c'est 200 kilos. Si je valide un 210 aujourd'hui, franchement, je suis satisfait de moi. Mais on sait, sait-on jamais, j'ai l'impression en moi, j'ai jamais fait plus de 200, que je peux faire plus. Donc c'est aujourd'hui qu'on va voir si c'est possible. Donc les gars, si vous croyez en moi, un petit pouce bleu et commentez là avant de voir le PR, le score que vous pensez que je vais faire. Bon les gars, je viens de terminer mon échauffement articulaire. On va passer directement au soulevé de terre. C'est le premier exercice de ma séance. Moi je vais vous filmer que le soulevé de terre. On va monter progressivement la charge sur le deadlift hein, les gars. 60, 80, 100, 120. Et on va aller tout titiller les 200. Et à partir de 200 on refera un point ensemble. Je stresse. Je stresse. Et juste aussi merci à Fitness Park qui nous autorise à venir filmer ici dans la salle. En plus à Pimousse là qui filme, qui a pu rentrer alors qu'il n'est pas du tout abonné. Donc merci à eux, Fitness Park et Nain Beaumont les gars. T'es les ch'tis. On est arrivé à 160 kg, faut savoir que pour moi, qui fait 75, 78 quand je suis en masse, ça commence déjà à être lourd pour moi, c'est une grosse barre. Pimousse, toi ta grosse barre, elle commence à 180. Non, 200. Allez, voilà, je peux pas parler avec lui. Bref, moi 160, ça commence à être une grosse barre, mais j'ai mis un peu la tête qui tournait. J'ai fait 2 reps, je vais pas me cramer. On va passer direct à 185 et ensuite 210 directement. Je vais pas valider la 200, je sais que je l'ai. On va essayer de faire directement 210. Facile. 185, ça va. J'ai envie de la prendre, faire du curl avec. On est là, la bête elle est chargée. 210. Si elle passe facile, tu vas chercher 215. On verra. Déjà, je vais essayer de la faire. J'y crois. Franchement, j'y crois. Même moi, je crois en toi. Mais c'est ton jamais. C'est la première fois que je l'ai jamais fait en vidéo ni en vrai. Donc... Allez, gros. Allez. Vous voyez, l'homme
L'homme heureux, l'homme content. Ton conseil, il m'a aidé, hein, parce que 215. J'ai été surpris qu'elle bloque au début. Au début, t'as l'impression qu'elle est collée au sol, mais c'est normal. J'ai un petit like, sans ceinture, et on va 215. Aller chercher les... 215 ou 220? Sois pas gourmand. Non, je voulais dire 230. Bah 220. Mais... Ouais, non, 220. Non, on va pas faire... Tu me connais, hein. Mais t'avais fait combien, toi? T'avais fait 230. 230, mais 240 à Malte. J'ai peur de me cramer et de pouvoir faire les 230. Moi, le but, c'est de mettre là, en cheat. Mais là, c'est facile, je trouve. Hein. Bah oui, et j'ai envie de mettre en cheat, j'ai battu Pinous. Après, ah, non, tu pourras me rebattre derrière. Non, mais même si tu mets 230, tu me bats pas parce que je suis à 240. T'as 240 sur la dernière vidéo? C'est un Malte 240. Ouais, mais en vidéo, t'as 230. 240. Ils le savent pas pour l'instant. 240. Ils ne le savent pas. Et mon record absolu, c'est 245, donc... Ah, de toute façon, je sais que tu vas me rebattre derrière, mais c'est bien. Non, personne me bat, t'es en train de rêver, toi. Tu vas me rebattre derrière, c'est toi qui... Non, non. Ah, c'est... Par contre, ouais, non. Au soulevé de terre, c'est plus avantageux d'avoir les potes qui sont bien éparpillés sur la barre, plutôt que concentrés. Ouais. Parce que la barre, elle se tord et tu gagnes de la distance à cause de ça. Tu la montes, hein. Tu la montes. Réfléchis pas, pense pas à la charge. Si tu penses à la charge, c'est de la merde. Et oublie pas, tu peux, écoute-moi, au début ça peut te surprendre vraiment encore plus, en mode tu vas avoir l'impression que tu bloques et ça va commencer à monter tout doucement. Tu lâches pas, ça veut dire que ça va monter jusqu'au bout. Te laisse pas surprendre. Allez, allez, gros. Yes. Ah, ça va, ça va. C'est dur au début. Let's go. Au début, c'est dur. C'est propre, bien joué. Joe, c'est allez, ça lourd. Part sur 2,25. Ah, la fesse qui tire. Ah, tu la connais celle-là. 2,25? Non, c'est 2,30 si je mets une barre. Eh ben, 2,30. Ah, attends, parce que la fesse, elle tire. Toujours le fessier. Hein. Les gars, étirez-vous. Je n'étire jamais les fessiers. À chaque fois, ça tire, c'est ici. Ça merde. Jamais j'aurais pris un jour de mettre une barre à 2,30. Merci, Kit, d'avoir mis dans la porte. Va te rendre. Je dis pro au montage, s'il te plaît. Ne faites pas de force, les gars. Tu sais, la semaine dernière, on a sorti une vidéo sur la force. Je te jure, c'est vrai. Te laisse pas surprendre quand elle est lourde et ça monte. Si elle monte pas, c'est tout, on l'aura tenté. Te laisse pas surprendre. Tu sens pas que c'est mieux pieds nus? Plus bas déjà. Bah oui. Je me mets tout nu si je la passe. Commence pas, hein, commence pas. J'ai du monde ou pas? Non. Je me mets tout nu. Commence pas. Énerve-toi. Elle passe. Allez, elle passe. Je suis vidé. Les étoiles? Un petit peu. On reviendra. On valide 2,20 les gars. C'est pas mal déjà. Non, en vrai, je suis déçu et content. C'est bizarre. Je suis content parce que j'ai validé l'objectif qui était de 210 kg. Mais je suis déçu parce que je pense que les 230, en vrai, je les avais. Mais je me suis fumé sur les 2,20. Mais ça, à chaque fois qu'on voit une vidéo d'un PR, le mec il dit toujours ça. Bah, j'aurais pu faire mieux. Je me suis blessé les gars. Une petite blessure à la fesse, ça revient souvent. Ça me casse la tête. Mais c'est de ma faute, hein, parce que ça fait des années que je fais de la musculation et je m'étire pas. Les gars, étirez-vous. Tu veux pas mon exemple? C'est facile à dire. Je le fais pas non plus. Mais regardez sur des exercices qu'on aime tous, comme le soulevé de terre, bah, je suis handicapé parce qu'à un moment donné, mes fessiers sont tellement tendus que bah, sur un mouvement comme ça, je peux vite me blesser. Tant je me suis très bien échauffé. Hein. L'échauffement, moi, c'est 30 minutes, les gars. 2,20 pour un mec qui est pas fort de base, qui fait la muscu pour juste faire le besoin, les gars, on va pas se le cacher. Ça fait plaisir, 2,20. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous faites. Si vous voulez battre votre record sur le deadlift, le bench, tout ça, on peut vous faire des programmes qui sont adaptés. On fait que du personnalisé sur Fitness Fusion. Donc là, en début de cette vidéo, je vous ai dit que les PDF ils allaient sortir. Donc ça, c'est pas des programmes personnalisés. Tout le monde pourra les prendre. Mais en ce moment, sur Fitness Fusion, donc www.fitnessfusion.fr, on vous envoie un questionnaire, des tests physiques. On analyse votre profil sportif, votre passé sportif, ce que vous faites actuellement pour vous faire progresser sur un nouveau programme. Donc vous aurez toutes les séances détaillées en fonction de l'objectif que vous aurez donné. Si c'est la force, si c'est la masse, si c'est la sèche. On s'occupe de tout, les gars. C'est pas des PDF, c'est des programmes personnalisés. Ils sont peu chers, ils sont à 200 €. Et vous savez quoi? Exceptionnellement, je viens de battre mon PR. On va faire une réduction jusqu'au 31 mars. Donc moins 60 € sur tous les programmes personnalisés, les gars. Donc c'est maintenant, si vous voulez votre programme créé par Pimous, par Didio, par la FF, c'est maintenant qu'il faut aller chercher, les gars. Parce que 140 €, franchement, c'est donné pour ce que c'est. On va passer du temps pour le faire. On va analyser votre profil et on va vous faire progresser un maximum, les gars. Bon, voilà, c'est fait. Je sais pas si on se retrouvera pour valider la 230. Parce que je vous ai dit, je vais arrêter la force pour être beau en photo, les gars. Menteur. On sait pas, j'ai envie d'aller chercher des drogues quand même. Dites-moi en commentaire ce que je dois faire, je suis un peu perdu. Et merci d'avoir regardé la vidéo en entière. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous êtes des vrais guerriers, les gars. Mettez en commentaire FF, flamme, flamme, flamme. Vous savez très bien, c'est comme ça que je vous réponds. Et puis, rod tous en code, n'oubliez pas. Donc, likez, partagez. Les gars, c'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de moi-même. Force et fun. Vas-y, je vais faire à l'envers. Force et fun.